Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur France 3 pour une nouvelle émission consacrée aux animaux et à leur univers. Alors, comme chaque semaine, on va vous raconter des histoires extraordinaires d'animaux, notamment celle de ce chat qui fait du skate avec son maître. C'est une étonnante amitié qui les lie tous les deux, vous verrez. Et puis, nous irons à la rencontre d'une espèce en voie de disparition, puisqu'il n'en reste qu'une vingtaine à l'état sauvage. Il s'agit de lion blanc. Notre comportementaliste canin, exceptionnellement, viendra nous rendre visite sur ce plateau, parce que j'ai bien besoin de ses conseils concernant mon petit chien Raoul. Et évidemment, les conseils qu'il me donnera pourront vous servir à vous aussi chez vous. Je vais rejoindre à l'intérieur toute mon équipe, mes chroniqueurs, mes experts et notre invitée, Nathalie Marquet-Pernot. Je les rejoins. Suivez-moi. Tout le monde va bien ? Super, ça a l'air. Merci Nathalie d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Alors merci à tous d'être là. Amy est avec son chien, il s'appelle comment ? C'est Gohan, mais Gogo. Gogo. Et Gogo est trop content, visiblement. Alors, Nathalie, on va parler avec vous du lien qui vous unit à vos deux bergers allemands. Je vous présente ma bande, Camini, ici présent, et Amy, nos deux chroniqueurs. Camini, en pleine forme ? En pleine forme. Hein. En plus, je suis ravi de recevoir Nathalie, parce que dans ma chanson Marly Gaumont, qui m'a fait connaître, je cite Jean-Pierre Pernaut. Et Jean-Pierre Pernaut, c'est mon premier reportage à la télé à l'époque. Donc, je suis ravi de te voir. Et grâce à toi, mes enfants, ils avaient le sourire quand ils écoutaient ta chanson. Amy est là aussi à ses côtés. Amy, vous réalisez des vidéos et puis vous cartonnez sur les réseaux sociaux. Vous êtes la maîtresse de deux toutous. Vous n'en avez amené qu'un aujourd'hui. Pourquoi qu'un d'ailleurs ? Mais parce que petit Marley, il a 11 ans, la voiture, il n'aime pas trop. Bon. Et vous voyez déjà l'énergie de Gohan. Voilà. Alors, c'est quelle race ? C'est un Staffy. Gogo. Un Staffy. Il a 5 ans. Ouais. Alors, Staffy, ça fait partie de vos races préférées à moi, vous, Pierre. Moi, j'adore. Ouais. Les Staffy et les Bulldogs, c'est mes deux races préférées. Et c'est des chiens qui sont adorables. Ils ont mauvaise presse, ouais. Mais ils sont vraiment adorables. Bon, alors, comme chaque semaine, Amy, vous allez nous présenter une association qui s'engage en faveur du bien-être animal. Et puis, à côté de moi, je l'ai déjà sollicité, c'est Pierre, notre vétérinaire tout-terrain. Vous avez parcouru la campagne avant de travailler en région parisienne. Vous êtes devenu urgentiste. Vous allez répondre à toutes les questions qu'on se pose et toutes les questions que nos téléspectateurs vous ont posées. Qu'est-ce qu'on aborde cet après-midi ? Alors, on va parler des assurances pour animaux, on va parler des maladies qui sont transmises entre les animaux et les hommes et on va parler d'un petit fait très intéressant sur la gestation des chevreuils. Ah. Oh, pas mal. Un peu insolite, vous verrez. Nathalie, vous êtes une ancienne Miss France, bien sûr, vous êtes comédienne et vous avez écrit un livre que j'ai ici devant moi, « Un signe de toi ». Son âme guide mes pas aux éditions. Je suis assaillie par ces deux chiens. C'est un peu turbulent aujourd'hui. Ils s'entendent bien. Hein. Copain comme cochon, je dirais. Alors, son âme guide mes pas aux éditions, très Daniel. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis, surtout, vous nous parlerez du lien qui vous unit avec vos deux magnifiques bergers allemands qui s'appellent comment ? Elkim et Idem. Bon, on verra ça tout à l'heure dans notre reportage, mais on va démarrer avec Amy. Alors racontez-nous, Amy, où vous nous emmenez cette semaine ? Je suis allée à côté de Chartres. Je me suis rendue à la Tanière, donc, qui est un refuge qui recueille et qui soigne des animaux pour qui il n'y a plus d'autres solutions. Donc c'est des animaux sauvages, souvent ils sont issus de cirques, ils sont issus de trafics illégaux, de laboratoires. Donc ils les récupèrent et puis ils ont une nouvelle vie en tout cas dans ce zoorefuge. Donc c'est vraiment les deux mots. Zoorefuge, ça s'appelle. Zoorefuge, oui, parce que la partie zoologique qui est très contrôlée leur permet de financer le refuge. Alors qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Ah bah, j'ai eu de la chance. Ah bah, moi, j'ai eu une journée folle. J'ai été soigneuse d'un jour, j'ai eu la chance de les accompagner. Je me suis occupée d'éléphants d'Asie. Il faut savoir que c'est une espèce protégée. Il en reste que 30 000, c'est très peu. Alors, j'ai un ours m'a tété les doigts.
Sachez, c'est une info, un ours tête des doigts. Et puis j'ai la chance de voir des lionceaux blancs, c'est très très rare, parce qu'il en reste qu'une vingtaine à l'état sauvage. Quoi. Est-ce qu'une vocation est née? Oh bah oui, oui, clairement. En éducation, en tout cas, je suis tellement bonne que vraiment, ils devraient compter sur moi pour... Oui, c'est évident. Bon, c'est comme les enfants, ils sont toujours plus sages à la maison que chez les autres qu'à la maison. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous. C'est vrai, ça, par contre, c'est vrai. Je vais dire ça, voilà. Vous confirmez, Pierre ? Complètement. Ah, voilà. C'est vrai que moi, dès que je le fais garder par quelqu'un, il ne bouge pas, il ne bronche pas. On vous suit, vous nous emmenez là-bas ? Allez, on regarde votre reportage. Nous sommes dans l'Eure-et-Loire, près de Chartres, dans un refuge pour animaux sauvages pas comme les autres. Ici, à la tanière, trois quarts des soigneurs sont bénévoles. Ils remettent sur pied des animaux au passé souvent chaotique. Canel est rentré dans une cage de labo, elle avait 2 ans, elle est sortie de la cage de labo, elle avait 21 ans. Maltraités, détenus illégalement, issus de trafic ou encore retraités de laboratoire... Tu grattes le dos ? Ces animaux sauvages sont soignés 7 jours sur 7 par une équipe de passionnés. Bonjour. Aujourd'hui, Amy a endossé le rôle de soigneuse bénévole. Bonjour. Bonjour Amy. Prête pour ta journée soigneuse d'un jour ? Bah ouais, j'attends que ça. Petit détail. Petit. Bah, il faut une tenue adaptée. Ah, je vais faire partie du crew ? Pour de vrai ? Pour de vrai. Allez, je vais me changer. La journée démarre avec les soins aux éléphants d'Asie, une espèce menacée d'extinction. Bonjour les copains. Donc là du coup on a Rajendra qui est notre mâle dominant qui a 12 ans. Bonjour Rajendra. On a son petit frère Kitai, donc Kitai qui a 6 ans. Et là on a Sunai, lui il a 8 ans. Les éléphants peuvent vivre jusqu'à 60 ans en captivité. Et pour qu'ils gardent la forme, les soigneurs leur servent un petit déjeuner composé de fruits frais. Alors du coup, regarde-moi, c'est tout simple. Je vais venir là, je vais tendre la pomme et puis Sunai il va faire... Voilà. Salut. Vas-y, viens. Et après, je vais pouvoir te faire touffer la trompe. Vas-y, viens. Salut. Et tiens, vas-y, tu peux touffer. T'es bien, Soussou ? Ah, bonjour. Le souffle est fort, hein ? Ah bah, ça peut être bleu. Voilà, c'est bien souci. Alors, du coup, la trompe d'un éléphant, ça va être 40 000 muscles. Donc, en gros, un éléphant, il va pouvoir bouger 250-300 kilos à la force de la trompe. Incroyable. Et tu leur donnes un œuf, ils l'attrapent sans le casser. Après le petit déjeuner, place à quelques exercices de gymnastique. Ça stimule les éléphants, mais surtout, cela permet aux soigneurs d'assurer leur bon entretien physique. Joss et Amélie vont faire un petit check s'il n'y a rien d'enfoncé dans le pied de Kitai. D'accord. Joss, il est amené à creuser un petit peu, c'est de la corne, comme nous. Ok. Donc quand on sera pieds nus, on a... Exactement. Oui. Le but du jeu, c'est qu'éviter qu'il y ait un caillou qui va s'infiltrer et que ça se referme. Ah bah bien sûr. Si ça se referme, ça va remonter jusqu'à la peau et s'infecter. Donc là, c'est indolore. Les soigneurs rivalisent d'imagination et inventent des exercices pour les éléphants, comme s'ils étaient dans leur milieu naturel. Du coup, on va découper des légumes, qu'on va les répartir dans l'enclos. Ok. Et on va sortir les éléphants. Amy va cacher de la nourriture un peu partout dans leur enclos afin que les éléphants les retrouvent comme en pleine nature. Moi, je veux leur donner des petits défis quand même. Vas-y. Donc, c'est toujours dans le but de les stimuler. Alors, écran, si tu me donnes cette mission-là, je suis obligée de les stimuler à fond. Vas-y, vas-y. Oh ! Allez, Kiki ! Ouais ! Oh, bah ça va. Pas trop rapide quand même. Rajendra, Sinai et Kitai seront chouchoutés ici jusqu'à l'âge adulte. Ils seront ensuite transférés dans un autre sanctuaire pour se reproduire et préserver l'espèce. Pendant qu'ils se dégourdissent les pattes, Amy n'a pas fini de se retrousser les manches. Fais-toi plaisir, t'as une nuit de crotte d'éléphant. C'est méga lourd. Ah, mais elle roule mes crottes. C'est du bizutage, on est d'accord. Ah non, c'est le métier. À d'autres. Un métier exigeant. Tous les jours, les soigneurs nettoient les loges et préparent la couche pour la prochaine nuit des pachydermes. C'était la dernière crotte de Amy. C'est grâce aux 50 salariés et le double de bénévoles que le plus grand refuge de France fonctionne. Paolo fait partie de l'équipe depuis bientôt 10 ans. Ancien circassien, il est arrivé avec ses animaux, dont 3 bébés ours, qu'il a élevés depuis la mort de leur maman. Lui, c'est qui ? Son prénom ? Là, c'est Jacques, Bamba et Tony. On a donné le biberon.
Ils ont ouvert les yeux, ils nous ont vus à nous. Ils n'ont pas vu d'autres ours. Okay. Ben, un ours comme ça. mais c'est mes enfants un peu. Oui, c'est mes enfants. Ouais. Pour Amy, s'approcher aussi près de ces mammifères qui pèsent près de 300 kilos chacun est exceptionnel. C'est fou. Ils sont gentils, hein. C'est parce qu'ils ont été nourris dès leur plus jeune âge par Paolo qu'Amy peut aujourd'hui les approcher et les caresser. C'est des grosses peluches. Par contre, ça laisse un petit peu de vape. C'est pas grave, tu sais, moi j'adore. Merci beaucoup, Paolo, pour ce moment, c'est génial. Au revoir, les copains. Oh là là, c'est extraordinaire. Bon, il y a quelques semaines, la tanière a accueilli 8 lions blancs issus d'un cirque, 4 femelles et 4 mâles. C'est une espèce extrêmement rare. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la couleur de leur robe varie du crème au blanc pur. Patrick, le fondateur de la tanière, accompagne Amy dans leur loge intérieure. Voilà la nurserie à Lisa. Bonjour Lisa. Lisa est la soigneuse en chef des fauves. À la surprise générale, 2 lionnes sont arrivées pleines. Elles ont mis bas récemment 5 magnifiques bébés lionceaux. Tu vois le blanc ? Ah oui, je le vois. Oh, mais il est tout petit. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, ils sont adorables. C'est Lisa qui a détecté les grossesses. Moi, je vois la morphologie. Elle, c'était assez facile, c'était flagrant. Ah ouais. Elle, c'était pas facile du tout parce qu'il a eu 3 mois après d'arriver. Et le matin, on a trouvé les surprises. C'est combien de temps de gestation ? C'est pas pile poil, 3 mois et 15-20 jours. Un petit miracle qui n'est pas sans risque. Un des lionceaux est né avec une luxation des pattes arrière. Pour éviter que cela ne s'aggrave, il est actuellement chouchouté dans un box séparé. Bah merci de les avoir présentés. De rien. Allez, on file. Au revoir. Au revoir. Ils sont mignons. Cette année, la tanière accueille plus de 700 pensionnaires. Depuis sa création, grâce à ses missions de sauvetage, le refuge a mis hors de danger plus de 3500 animaux sauvages. Bah, vous avez l'air d'avoir apprécié cette journée. Bon, c'était fantastique, c'est une journée insolite. Moi, j'ai eu de l'amour, des câlins, du soin. Enfin, c'était extraordinaire, j'ai traîné un peu. Vous auriez rêvé, vous, vous occuper d'animaux comme ça, d'animaux sauvages ? Moi, j'adore les tigres, les éléphants, c'est majestueux, c'est impressionnant. Voilà, l'ours, ça, c'est magique. L'ours, c'est vraiment extraordinaire parce que je ne me vois pas autre part aller toucher un ours, quoi. Vous avez eu l'occasion de faire des voyages, justement, et de voir des animaux sauvages en liberté ? Oui, ben, j'ai une petite anecdote, justement, là-dessus. C'était avec Madame de Fontenay en tant que Miss France. Mmh. C'était en 87 et on est parti en Guyane. Ouais. Et donc il y avait un style de zoo et il y avait un spectacle pour donner à manger aux caïmans. Ouais. Et il fallait donner des poules. Et puis donc moi en tant que Miss France, bien sûr à l'époque avec Madame de Fontenay, il fallait rester avec les talons hauts, voilà, avec la petite robe. Donc je vais avec le monsieur pour nourrir les caïmans. Et il monte sur une butte comme ça et il fait avec un bâton, il bouge comme ça et le caïman il fait le spectacle, il ouvre la gueule et tout. Moi, grande gueule, mais j'étais jeune, j'avais 19 ans, je vais faire la même chose. Je prends le bâton, je fais ça sur la butte, sauf que le caïman m'a chopé le bâton. Ah ouais. Donc je suis née comme ça, et le mec, il m'a juste retenu comme ça. Il a failli vous dévorer. Ouais, la tête coupée en deux direct, sinon. Ah ouais. Bisous de caïman, quoi. C'était vraiment... Le bisou était spécial. Hein. Alors, ils deviennent quoi après les bébés lions blancs qu'on a vus ? Alors forcément, on aimerait bien qu'ils retournent à l'état sauvage. Malheureusement, les animaux qui sont imprégnés de l'homme, du coup, et qui ont toujours connu la captivité, sont incapables de se débrouiller tout seuls dans la nature. Du coup, ils vont rester... au refuge. Mais attention, ils sont très très bien traités. Hein. Moi, je m'inquiète vraiment pas pour eux, pour le coup. Mais rassurez-moi, il n'y a pas 50 000 ours quand même. C'est rare. J'en ai vu, il y en a pas mal, hein, parce que souvent les ours servaient beaucoup dans les cirques. Donc là, comme ils les récupèrent, il y avait du grizzly, il y avait de l'ours. Oh, j'aurais dit peut-être 6 ou 7. Il y avait du grizzly, il y avait de l'ours blanc. Qu'est-ce que vous voulez, Sophie ? Elle a dit tous les jours. Ouais, ouvrez votre valise, Sophie, je vous les mets. 2-3 éléphants par-ci, par-là. Alors justement, il paraît que le lion blanc, Pierre, est resté une légende très longtemps, et ce n'est qu'en 1975 que son
existence a pu être prouvée. A été attestée, effectivement. On l'a eu dans la tradition orale en Afrique pendant très longtemps. Les tribus africaines parlaient beaucoup des lions blancs, mais on ne croit souvent pas, et on ne croit que ce qu'on voit. Donc l'homme blanc, quand il est venu, on a vu le premier lion blanc en 1975. Et c'est des animaux qui sont très rares. Il n'existe que dans une toute petite partie de l'Afrique, en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, par rapport à la population globale de lions, ça représente à peu près 0,1% des lions. Alors, en quoi ils sont différents des lions traditionnels? Ils sont vraiment blancs? C'est la même espèce, donc ils peuvent se reproduire entre eux, mais ils ont une mutation. C'est un peu une mutation comme les albinos, au final, sauf que ça n'est pas des albinos, ça s'appelle un leucisme. Et en fait, ils ont les yeux de couleur. Par contre, les albinos n'ont pas de coloration des yeux. Les lions blancs ont les yeux quand même de couleur. Ils peuvent avoir les yeux qui sont souvent bleus. Je sais bleu. Pas. Ouais. Moi, ils étaient bleus comme toi, voilà. Ils ont souvent les yeux bleus. C'est justement. Ça, je me disais, c'est un petit peu une tête de lion, de lionne blanche. Non, mais avec la petite crinière et tout, c'est... Après cette journée, je pense que je suis un ours intérieur. Ah, moi, j'ai eu un truc avec les ours. Là, c'est ouais. vrai. Ah ouais, incroyable. Bon, alors pour terminer, Amy, si on veut aider le refuge La Tanière, on fait comment? Ben, Sophie, forcément, faire des dons. Parce que c'est un refuge qui a des salariés, mais aussi des bénévoles et qui ont des demandes régulières voilà, de placement. Donc n'hésitez pas, rien qu'à vous rendre déjà sur place pour visiter, voir, rencontrer, c'est déjà, tous ces fonds vont dans le refuge. Et puis ben, faire des dons, forcément, on vous laisse l'adresse sur votre écran. Alors, tout à l'heure, Camini, on découvrira avec vous le portrait d'une incroyable amitié entre Rémi et la petite chatte qu'il a adoptée. Elle s'appelle Cathode, avec qui il partage toutes ses passions. Alors, ça va être du VTT au ski de montagne. Et puis, on retrouvera aussi dans quelques minutes Taridou. Lui, c'est notre comportementaliste animalier qui vient ici me voir, hein, en particulier, histoire de me donner quelques conseils. Je crois qu'il vient voir Raoul. Mais... je pense que mon chien est absolument épuisé, parce que c'était quand même... Il n'a pas besoin d'avoir de conseils. Il joue avec son copain. Il vient spécialement me donner quelques conseils qui pourront, je pense, vous servir à vous aussi. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à vous, Nathalie Marquet-Pernot. Donc, je le répète, vous venez de sortir ce livre, Un signe de toi, son âme guide de mes pas, aux éditions Guy Trédaniel. On vous a suivi, vous nous avez ouvert les portes de chez vous, en région parisienne, vous vivez avec vos deux grands-enfants, Lou et Tom, et vos deux chiens. On regarde le reportage que nous avons tourné chez vous. Oui. Bonjour, bienvenue chez moi. Alors là, je vous présente ma fifi, idem. Et le mâle, il se cache un peu parce qu'il pleut. Elle, Kim, tu montes ta tête? Non, t'as pas le droit de sortir, là. Allez, venez. Nous voici en région parisienne, où Nathalie Marquet-Pernot nous reçoit en compagnie de ses deux inséparables bergers allemands. Oui. Voilà, on parle. Alors, on va se raconter des histoires. Qui commence? Idem? Ou c'est le grand amour? Ou c'est le grand amour? Oh, des bisous à maman. Oui, maman est gentille. Jaloux, arrête. Je t'aime aussi, mais oui. Maman, puis nous on parle. Deux chiens avec des prénoms vraiment pas banals et d'inspiration cinématographique. Alors, idem, c'est marrant parce que moi, j'ai adoré le film Ghost. Et les deux acteurs principaux, ils se disaient jamais je t'aime. Et ils disaient toujours idem. Et comme c'était pas un i, son année, j'ai dit mais là, c'est parfait, ça va être idem. Oh. Elle Kim. Mais oui, je te fais des bisous aussi. Ah, je sais ce que tu veux. Tu veux la place d'idem. Et elle Kim, donc c'était par un L, mais je n'arrivais pas à trouver un nom sympa avec un L. Donc je me suis dit, je voudrais deux syllabes comme idem. Je voudrais un truc qui fasse avec Kim. Donc j'ai dit, je rajoute juste le L. Ça fera elle Kim, idem. Comme ça, pas de jaloux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une grande promenade. Oui, on y va. Maman, elle prend son manteau. Après 6 ans de mariage avec Jean-Pierre Pernot et 2 enfants, Nathalie a voulu adopter idem. Et là, il a fallu qu'elle fasse preuve de malice. Moi, mes chiens préférés, ça a toujours été les bergers allemands. Et Jean-Pierre, il me fait hors de question un berger allemand. Et moi, comme je suis têtue, j'ai dit de toute façon, je vais le faire derrière son dos. Et je ramènerai cette petite boule de poils. Je le connais, mon petit Jean-Pierre, il ne dira rien.
j'arrive le soir, Jean-Pierre était déjà rentré du boulot. Et il est sorti, il fait, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Il me fait, c'est un bosseron, c'est quoi. Je fais, bah non, c'est un berger allemand. Il me fait, mais t'es folle. Moi, j'ai peur des bergers allemands. Alors, je dis, écoute-moi bien, Jean-Pierre. Un berger allemand, ça s'éduque très, très bien. C'est extrêmement intelligent. Et il n'y a pas de raison. Et bien après, c'était son grand amour aussi à Jean-Pierre. Et puisque Jean-Pierre est tombé fou amoureux d'Idem, Nathalie n'a pas hésité à utiliser la même ruse pour adopter Elkim. Voilà, pareil, je rentre à la maison, je fais coucou. Il fait, t'as pris un deuxième chien, t'as osé. Mais t'es pas possible. Et puis en fin de compte, il a vu que ça se passait très bien et que c'était trop mignon. Et Jean-Pierre adorait aussi les animaux. C'était le papa gâteux avec ses chiens, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah oui, c'est, t'as pas envie de rentrer. Tu sais que c'est le retour de la maison, ça. Hein? Nathalie a développé une relation si fusionnelle avec ses chiens qu'elle peut deviner quand quelque chose ne va pas. J'ai une connexion où je ressens quand ils ont une douleur, si c'est important ou pas. C'est comme il y a eu un problème il y a un an et demi sur une patte. Moi, j'étais persuadée que c'était grave. Et le vétérinaire me disait, non, on va lui faire une piqûre, vous verrez, ça va aller mieux, puis vous donner des médicaments. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, faut faire une radio. Et après, bon, il a décidé de faire la radio. Et là, il m'appelle et il me dit, excusez-moi, Madame Pernaud, vous avez raison, elle a le ligament complètement déchiré. Entre Jean-Pierre, Nathalie et leur chien, une relation très particulière s'était mise en place. À tel point que Idem et Elkim ont ressenti quand Jean-Pierre vivait ses dernières heures. On ne savait pas quand Jean-Pierre allait partir, mais moi j'ai remarqué que mes chiens avaient un comportement complètement différent. Surtout Elkim, la veille, il venait, mais sans raison. Parce que je voyais bien qu'il avait mal nulle part et je dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et puis le lendemain, Jean-Pierre est décédé. Donc ils l'ont bien senti. Les chiens ont été très, très affectés de la mort de Jean-Pierre. Rien que quand je rentrais, ils me faisaient moins la fête, déjà. Ils me regardaient les yeux abattus, comme ça. Donc j'allais leur parler, on se faisait des câlins, je leur explique qu'il est parti, mais qu'un jour aussi, quand ils partiront, ils le retrouveront là-haut. Mais eux, pour moi, ça a été un très, très grand soutien à la perte de Jean-Pierre. L'amour que j'ai pour Idem et Elkim, c'est l'amour d'un enfant. C'est nos bébés, ils nous le rendent bien, ils sont toujours joyeux avec vous, ils vous font jamais la gueule, ça nous donne tellement de joie. Ils font tout pour que je sois bien. Comme moi, je fais tout pour qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. C'est beau ce lien. Ils s'entendent bien avec vos enfants aussi? Ah oui, 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 super bien. Mais moi, justement, tout petit, j'ai appris déjà aux enfants de ne pas réveiller le chien en tirant la queue quand il dort ou des trucs comme ça. Donc il n'y a jamais eu de problème. C'est vraiment des amours tous les deux, quoi. Et alors, ils avaient le même lien avec Jean-Pierre qu'avec vous? Alors, ils sont plus fusionnels avec moi, mais avec Jean-Pierre, c'est-à-dire que Jean-Pierre, comme dans un couple avec les enfants, il y a un méchant et un gentil. Moi, j'étais la méchante et Jean-Pierre, c'était le gentil. Il acceptait tout. S'il voulait monter sur le canapé, ben, c'est pas grave. Moi, j'arrive en hurlant, il est hors de question. C'est papa gâteux, Jean-Pierre. Vous dites qu'ils ont douloureusement vécu son départ. Ça se traduisait comment? Ben, le mâle, pendant plus d'une journée, il n'a pas mangé. Alors, jamais ça leur est arrivé. Et ils avaient vraiment une tristesse, presque. Comme si qu'il pleurait chaque fois, surtout sur la femelle, beaucoup de caca des yeux. Enfin, je ne sais pas si c'est. Et la femelle, par contre, que ça peut arriver, les animaux. Oui, justement, font je voulais vous poser cette question. Final, à mon avis, je suis. Oui, bien sûr. On a beaucoup d'exemples maintenant. Et les symptômes majeurs du deuil chez les animaux, c'est le fait de ne pas manger, d'être apathique, de geindre, parfois d'avoir des petits gémissements. Et on a plein d'histoires comme ça. Moi, j'en vois tous les jours en consultation. Quand un des maîtres part, ou quand un autre compagnon chien part, il y a souvent un énorme manque qui s'installe. J'ai peur au moment où un des deux va partir. Vous, en quoi ils vous ont aidé, les chiens, à faire le deuil de Jean-Pierre? Déjà, mes enfants aussi, ils faisaient leur étude, donc j'étais seule à la maison. Le matin, rien que le matin, je descends les escaliers, direct, ils font la fête, ils sont avec vous. Moi, je leur parle. Je leur parle avec mes chiens, je leur fais des câlins, je me confie à eux. Je sais qu'au moins, ils ne me trahiront pas. et je sens qu'ils ont besoin de tendresse aussi. Donc, et puis, oui, voilà, je me pose la question, parce que j'avais peur qu'ils pensent que Jean-Pierre l'ait abandonné. Donc, j'aurais tellement voulu emmener mes chiens au cimetière
Parce que je pense qu'ils auraient senti. Ils auraient senti, oui. Ils sentent l'odeur sur vous quand vous êtes revenu, même après le décès de Jean-Pierre. J'imagine, ils savent. Franchement, ils savent. Ils savent quoi ? Ils savent le décès, ils connaissent la maladie. Ils auraient senti quoi ? On emmène des odeurs sur nous qu'on n'imagine pas, en fait, parce qu'ils sentent beaucoup plus de choses que nous. Et donc, même juste l'odeur de la mort de Jean-Pierre vous a probablement accompagné jusqu'à la maison. Donc, il n'y a pas forcément besoin de les emmener au cimetière. Ils ressentent les émotions, ils ressentent plein de choses. Donc, au final, ils savent. Et souvent, même, ils savent avant. Avant le décès, voilà, c'est ce que vous racontiez. Quand un animal est malade à la maison, une personne malade, souvent même les animaux s'en détachent un petit peu parce qu'ils ont peur de la maladie, ils n'aiment pas ça, donc ils s'en détachent un petit peu avant le décès. Et ça, je le vois souvent en consultation, des animaux qui prédisent un peu la mort des... Comme on voyait aussi des chats qui montaient dans les hôpitaux sur les personnes qui allaient partir aussi. Exactement, ouais, donc ils ressentent tout ça. Et chacun l'exprime différemment, on va dire. Hein, mais pour le coup, les chats, ils ne se détachent pas, au contraire. Non, les chats ne se détachent pas, mais j'ai eu le cas encore récemment en consultation d'un animal, on m'a dit l'autre chien est devenu agressif un peu envers lui, il ne voulait plus qu'il s'approche. Et l'autre chien est mort le lendemain. Et est-ce que vous avez des conseils justement à donner à ceux qui nous regardent en cas de décès? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire avec ces animaux? Ce que je dis toujours, la chose la plus importante, c'est d'essayer de rien changer. Voilà, de maintenir les heures. Malheureusement, nous, on a dû faire un déménagement. Voilà, ça, c'est plus dur parce que ça les perturbe beaucoup. Et essayer de ne pas changer les heures des promenades, essayer de s'en occuper pareil. Voilà, les heures de nourrissage, tout ça, on essaie de maintenir tout ça. Parce qu'ils sentent vraiment ce manque. Et souvent, il faut établir un lien un peu différent avec l'animal, notamment quand c'est le maître principal, on va dire, qui est décédé. Il y a toute une relation à recréer après ça. Et il faut y aller toujours tranquillement, rien forcer, et ne pas changer les habitudes. Il ne faut pas leur donner, par exemple, un vêtement qui a appartenu à la personne qui est décédée. L'odeur aide beaucoup. C'est comme quand on accueille un enfant à la maison, on essaie d'habituer à l'odeur. L'odeur rassure. Au final, il les rassure énormément. Donc, c'est une très bonne idée. C'est vrai que les animaux ont un instinct par rapport à la mort et à la maladie. Parce que moi, j'ai rencontré, sur un de mes tournages, de mes émissions, un cheval qui s'appelle Peyo. Dans le Nord-Pas-de-Calais, vers Calais, et il ressent les gens qui sont en phase terminale. Et donc, durant le tournage, moi, j'avais un peu peur aussi qu'il s'approche trop de moi, parce qu'il s'avance vers la personne qui est malade. Donc, c'est vrai que les animaux ont un vrai instinct par rapport à ça. Parce que tu vois, il n'arrête pas de s'approcher de toi. Merci. C'est rassurant, Emile. Et juste une question, est-ce que les chiens, ils oublient après la personne? Non, ils ne l'oublient pas. Je ne pense pas qu'ils l'oublient. Alors, c'est dur à dire, on n'est pas dans leur tête. Ouais. Mais franchement, je ne pense pas qu'ils l'oublient parce qu'ils réagissent encore à des photos, ils réagissent à des choses. Et même après plusieurs années où un chien est séparé de son maître, on le voit parfois avec les soldats qui partent à l'armée, des années après, ils s'en souviennent toujours. Mais on dit qu'ils n'ont pas la même perception du temps. Non, ils vivent plus dans l'instant présent, mais ils ont des habitudes au final. Ils sont habitués aux personnes. C'est-à-dire, on dit souvent qu'ils font un deuil, mais c'est en fait, le deuil, c'est juste un changement des habitudes qui les perturbe. Ça mériterait une émission sur une entière, non, exactement, mais il n'oublie pas, j'en suis sûre, il n'oublie pas. C'est un sujet important. Alors, avant qu'on retrouve Pierre, justement, qui va répondre à vos questions, chers téléspectateurs, et qu'on retrouve Taridou, c'est notre expert en chien, qui vient pour nous donner des conseils en comportement, notamment pour mon petit chien Raoul, qui a un comportement exemplaire. Ça, moi, je ne sais pas pourquoi on a besoin d'un comportement tel. Pour lui, je le trouve parfait sage. Depuis que je le connais. Pourquoi tu n'as pas dit pareil? Que lui, quel faillot, ce Pierre. Tiens, Camille, gardez la parole puisque vous allez nous raconter ce que vous avez fait cette semaine. Alors moi, je vais vous raconter, c'est une belle histoire d'amitié, une histoire d'amitié entre un chat et son humain. Oui, j'ai dit entre un chat et son humain parce que c'est l'humain qui appartient au chat, ça faut le savoir. Hein. L'humain, c'est Rémi, il est ingénieur. Le chat, c'est Cathode. Ça fait 10 ans que Rémi, il bichonne Cathode. Et donc, ce sont vraiment des véritables amis. Ils font beaucoup de sport ensemble, moto, VTT, cyclisme, du bateau, du ski et même du skate. Il fait du skate avec son chat, vous allez voir, c'est incroyable. C'est génial. Aujourd'hui, cap sur Besançon à la rencontre d'un duo explosif. Rémi, 33 ans, et son chat tout-terrain, Cathode, 10 ans. Avec Cathode, on est comme les deux doigts de la main, on ne se quitte pas, on partage nos journées ensemble, nos activités. C'est un chat vigoureux qui aime bien bouger. On a fait des choses particulières ensemble et du coup, ça a forgé une relation solide. Ouais. On y va, Cathode ? Ces deux-là se sont bien trouvés. Chaque matin, le duo a son petit rituel bien rodé. Lors du petit déjeuner, Cathode, elle mange deux fois par jour. Comme ça, ça fait un moment de partage. Ça fait 9 ans et demi qu'on est ensemble. Et je pense que ça fait 9 ans et demi qu'on ne s'est pas quittés. Et ça fait 9 ans et demi qu'on déjeune ensemble.
C'est la relation que j'ai su garder le plus longtemps pour le moment. Entre eux, tout a commencé il y a près de 10 ans. En une caresse, l'alchimie a opéré. Cathode, je l'ai adoptée dans un refuge quand elle avait encore que 6 mois. J'étais allé dans ce refuge pour voir un autre chat et finalement, il y a celle-là qui est venue dans mes pattes. Donc c'est Cathode qui m'a choisi et puis finalement, on s'est tous les deux choisis et c'est un coup de cœur réciproque. Avec un maître très sportif et toujours à 1000 à l'heure, Cathode a su rapidement prendre le pli et Rémi l'a initié en douceur. Pour qu'elle puisse faire du vélo avec moi. Au début, j'avais accroché un panier au devant du vélo, donc ça, j'ai rien inventé. Mais après, quand j'ai senti qu'elle et ses cousses étaient trop importantes, et ben là, j'ai fabriqué un panier que j'ai associé à un sac de randonnée. Et du coup, pour elle, c'était plus confortable. Donc, on est rapidement parti en vélo, et suite à ça, on a enchaîné sur le paddle, le ski, l'escalade. Des balades à vélo aux sports les plus extrêmes, comme le parapente, plus rien n'arrête notre duo d'aventuriers. Et je me suis vite rendu compte que Cathode, en plus de les partager avec moi, elle appréciait ça. Pour chaque activité, Rémi s'assure avant tout de la sécurité de son animal. Le duo avec Cathode, il peut étonner, il peut choquer les gens. En tout cas, j'ai jamais eu à forcer Cathode. Un chat, quand il a peur, on lui fait pas faire ce qu'il a pas envie de faire. À partir du moment où il y aurait le moindre risque, non, je ne partagerai pas cette activité avec Cathode, ça c'est une certitude. Et on va se poser en haut là. Pour Rémi, le bien-être de Cathode est une priorité. Il a réaménagé chaque pièce pour faciliter son quotidien. Arbre à chat avec vue dans la chambre. Ça, c'est des rouleaux en carton dans lesquels on roule les moquettes. Donc, à partir de ça, j'ai adapté les plateformes en bois que j'ai fixées. Radiateur reconverti en chauffeuse. Quand il fait un peu froid l'hiver et qu'elle a besoin de la chaleur du radiateur, j'avais placé ça ici, je l'avais adapté pour Cathode. Jusqu'à la litière intégrée sous le siège de sa voiture. Comme ça, quand on roule et qu'elle a un besoin pressant, elle descend dans sa litière, elle fait ce qu'elle a à faire. Vous l'aurez compris, ici, nous ne sommes pas chez Rémi, mais bien chez Cathode. Son chat, Rémi l'a dans la peau. J'ai même tatoué Cathode, elle est gravée en moi et du coup, elle ne me quittera plus jamais. Et cet ingénieur passe son temps libre à créer des accessoires pour que Cathode puisse l'accompagner en toute sécurité dans leur folle virée. À chaque sortie, son casque. Voilà, on a le casque de moto. Ça, c'était son casque de ski, ça. Elle a un casque d'astronaute, c'était pour Thomas Pesquet. Et ça, c'est casque de chantier. C'est grâce à ses imprimantes 3D que Rémi dessine et importe tous ses prototypes. J'aime concevoir, j'aime fabriquer, j'aime solutionner. C'est un passe-temps et ça a une certaine utilité pour Cathode, donc on lit les deux, c'est parfait. Et la dernière nouveauté, c'est le casque de skate. Aujourd'hui, nouvelle activité, nouveau casque, spécialement baptisé au nom de l'émission. L'instant qu'elle lui aille bien, qu'elle le tienne bien. Cathode, la couleur, ça te plaît? Oui. Il lui va à merveille une fois de plus. On va skater? Allez, go. Ah, moi, il... On est arrivé, Cathode. Hop. C'est la première fois que Rémi va tester avec son chat cette toute nouvelle piste de skate. C'est la nouveauté aujourd'hui. On va essayer ce pump track avec le nouveau casque de skate. Le skate, c'est une des activités que j'aime beaucoup faire et partager ça avec Cathode, c'est d'autant plus chouette. Allez. Et c'est parti pour nos deux riders. Cathode va-t-elle être à l'aise sur cette nouvelle piste de skate? Au début, je le fais dans mes bras pour qu'elle se familiarise avec le skate, avec les bosses. Puis après, quand elle commence à être à l'aise, à savoir à quoi s'attendre, on accélère, on avance un peu plus vite. J'essaye d'être au maximum concentré sur ce que je fais, d'avoir en vue tous les éléments qui pourraient mettre en danger l'activité. On s'entraîne avec Cathode pour participer aux prochains Jeux Olympiques. Pour Paris, c'est trop tard, mais pour les prochains, on ira poser notre candidature. Et premier tour de skatepark approuvé par le duo. Cathode, t'as bien aimé? C'était à essayer, maintenant on sait qu'on peut le faire celui-là, Cathode. On y retournera.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est manifestement à lui, ça lui fait plaisir, mais est-ce que vous croyez que ça fait plaisir à Cathode? Alors, en tout cas, elle ne manifeste. De faire du skate. Elle ne manifeste aucun signe de stress, à aucun moment. Elle a les oreilles bien droites. C'est souvent ça qu'on voit chez les chats, hein, quand ils ont les oreilles vers le bas ou très dressées en arrière, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise. Et là, à aucun moment de tout ce qu'on a vu, elle est bien au final. C'est rare de voir un chat. Les chats, en général, sont indépendants quand même. C'est rare de voir un chat. Complètement faux. Aussi greffé à son maître. Non, non, les chats sont pas indépendant du tout. Et alors, on a souvent l'impression qu'on habite chez son chat, qu'il ne nous aime pas. Voilà, mais c'est vrai, c'est une image qu'on a tous. Mais tu es une quatre personnes. Oui, je suis une personne à chat, donc c'est différent. Ça prend des pincettes. J'avais un chat qui réagissait, qui a vécu jusqu'à 19 ans, qui réagissait comme un chien. Voilà, ils peuvent réagir exactement pareil. C'est juste une question d'habituation. Et c'est ce qu'il a fait avec son chat, au final. C'est qu'il l'a habitué à partager ses activités. On peut habituer des chats à tout. En fait, ils sont vraiment devenus amis. C'est vraiment des potes, c'est friends. Ils ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. 80 000 abonnés avec les vidéos là. Attention, t'as de la concurrence. 80 000 abonnés. Par contre, ils sont pas du tout, ni l'un ni l'autre, intéressés par le monde des influenceurs. Rémi, c'est un ingénieur. Il continue de construire des accessoires pour son chat, pour Cathode. Ah bah, il faut qu'il arrête. Mignon. Et donc, un chat manifeste son stress à ses oreilles. La position des oreilles, la taille des pupilles, c'est les deux. On pense souvent qu'ils ne parlent pas, mais ils expriment beaucoup de choses par leur faciès. Et la position des oreilles, les oreilles basses, ou bien dressées, très dressées en l'air, c'est souvent signe d'anxiété, de colère. Alors, allez-y, faites-nous les oreilles basses. Les oreilles basses, alors, comme les oreilles basses, les oreilles basses sur le côté. Côté ou bien très dressées en l'air, en fait. Un vous faites très bien les oreilles. Voilà. Et la pupille, alors, on doit veiller à quoi? Pupilles très dilatées en général. Ouais. Voilà, quand elles sont très dilatées, c'est qu'elles ne sont vraiment pas contentes. Les mouvements de queue, très brusques, c'est souvent... chez les chiens, des mouvements amples qui sont... ils sont contents. Les chats tapent souvent de la queue quand ils sont mécontents. Et vous, Camille? C'est-à-dire moi. Vous voulez la... Bon, alors chaque semaine, un expert en comportement animalier part à votre rencontre, téléspectateurs, pour vous donner des solutions lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre animal de compagnie. Mais cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui me suis prêtée au jeu avec Raoul parce que j'ai un petit peu de mal à me faire obéir. Je peux pas dire vraiment non, ça. Non, moi je trouve qu'il est parfait depuis le score. On parle, voilà, il suit bien, il est gentil avec les autres, il est gentil avec les étrangers. Alors. Non, le problème c'est qu'il a, il a des manifestations un petit peu intempestives quand il est content. Alors je vais demander à Taridou de me rejoindre. Bonjour Taridou, bonjour, merci d'être bonjour, là avec tout le monde. Bonjour. Oui, alors en fait ce chien quand il est très content, il aboie et il manifeste son bonheur. Alors en aboyant très fort. En étant devant moi, alors soit il essaie de jouer en aboyant, et surtout il me mordit le mollet. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne relation, une relation qui est saine, une relation dans laquelle le chien ne va pas trop prendre la confiance. D'accord. Ce qui se passe souvent avec les petits chiens, plus qu'avec les gros, c'est qu'on a tendance à trop leur laisser passer des choses. Donc en fait, il faut faire preuve d'autorité, il faut imposer des règles très strictes. Un petit peu, il ne faut pas être trop dur, pas du tout, mais il faut mettre un cadre, c'est ce qui est hyper important. Quel est votre parcours à vous? Comment devient-on comportementaliste? Alors moi, je suis éducateur canin comportementaliste. Donc j'ai fait un BP éducateur canin, un diplôme reconnu par l'État, etc. Et surtout, ce qu'il va faire, c'est l'expérience. Parce qu'il y a la partie chien et il y a la partie humain aussi. C'est-à-dire qu'on travaille avec le chien, mais on travaille surtout avec l'humain. Ouais. C'est-à-dire que je pourrais prendre un chien, par exemple, travailler et que ça se passe bien avec moi, mais le but final, c'est pas ça. C'est que derrière, la personne puisse avoir le même résultat. Donc, il vous arrive de rééduquer des humains, surtout. C'est surtout ce que je fais. Alors, on fait des exercices ou quoi? Là, il dort, il est super sympa. Alors, dites-moi, avant ça, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas, concrètement? Les mordiments? Mais c'est tout. C'est tout? Ouais. D'accord. Bah, ce qu'on va faire, déjà, on va travailler un exercice hyper important. On va lui demander d'aller à sa place. Ouais. Y aller, c'est facile. Y rester, c'est plus dur. Et pour qu'il finisse par obéir, enfin, vous le conditionnez avec une friandise ou avec un truc? On va le faire. On va le faire tout de suite, comme ça vous... Bon, ben montrez-nous alors. Mais ça va être quoi sa place, du coup? Il faut qu'on détermine sa place, déjà. Je sais pas, mais moi, ça me fait c'est exactement pas, ça. On lui impose une place. On a une petite serviette pour déterminer l'endroit. C'est à vous de choisir où vous voulez le mettre. Je sais pas, moi, ça me fait de la peine. Plutôt par... Ou plutôt là, au coin du tapis, voilà. Comme ça, il a regarde, mon petit Raoul, je te fais une place bien confortable. Hop. Ok, j'y vais. Ah voilà, donc là il est en train... Cachez-vous vos mollets. Parce que là il voit qu'on se lève, donc il se dit ça y est, c'est terminé.
Il me fait ça aussi quand je fais de la radio. Il dit rien pendant le direct. Et puis dès qu'il me voit bouger, ouais, hop, il se met à aboyer comme ça parce qu'il sent que c'est terminé. Et là, qu'est-ce que vous faites concrètement quand il... Eh bien, c'est vrai que c'est terminé, donc on s'en va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens, regardez, il fait le direct. Bah, voilà. Content, regardez, c'est pas la magie, ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en condition. Appelez-le. Raoul. Dès qu'on dit Raoul. Voilà. Raoul. Alors, il revient un peu quand il veut, c'est ça? Raoul. Alors, c'est un petit conseil. Oui. C'est que ce que j'observe souvent avec les gens, c'est que le chien revient pas forcément bien. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à trop l'appeler à tort et à travers par son prénom. Mmh. Raoul ceci, Raoul cela, Raoul. On le saoule, quoi, en fait. Et ouais, alors, c'est même pas ça, c'est qu'au final, ce mot-là, ça devient un mot, c'est un bruit de fond. Mmh. D'accord? Déjà, ce qui est important quand on a un chien, c'est que quand on l'appelle, déjà, j'ai... Oh. Appelez-le pour moi. Raoul. Ah, c'est bien, d'accord? Pas mal. ça, maintenant, il faut essayer... C'est magnifique, non? Il n'est pas venu pour autant. Hein. Il faut essayer de l'avoir en toutes circonstances, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est qu'on associe son prénom à quelque chose de bien, d'accord? Ce qu'on va faire, on va le travailler avec la nourriture, là, tout de suite. Oui. Le but, ce n'est pas de nourrir, hein. C'est vraiment de... d'associer son nom à la nourriture. Raoul ? Raoul ? Donc on va associer son prénom à quelque chose de bénéfique pour lui. Alors du coup, quand vous voulez le gronder, vous dites pas Raoul alors ? Faut éviter, d'accord ? Parce qu'en faisant ça, justement, votre chien il va associer Raoul à... Oulalala. Je me cache. Je vais me faire engueuler. Alors, demandez-lui d'aller à sa place. Il faut que je lui demande d'aller à sa place. Je vais voir un petit peu comment vous allez faire. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va ou ce qui ne va pas et ce qu'on peut améliorer. Il m'en de rire. Raoul, viens ici. Viens là. Raoul, alors. Viens à ta place. Ah ouais, non, mais c'est injuste, parce que vous avez la friandise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... quelles que soient les circonstances, il faut que vous fassiez obéir. C'est ça qui est important, d'accord? Donc, retenez certaines choses quand on travaille un chien. Premièrement, on ne se répète pas. Ensuite, on ne s'énerve pas. On va toujours au bout des choses. Quand on commence, il faut aller jusqu'au bout. Donc, comment faire? Au départ, on va s'aider d'une laisse. Alors, justement. Donc, je vais lui demander une première fois. Raoul, allez, va à ta place. Il n'y va pas. Ce qui est important, c'est que je ne me répète pas. D'accord? Je récupère la laisse doucement. Donc, je vais le diriger. Il se demande ce qui lui arrive, là. Maman, qu'est-ce qu'il me fait? À ta place. Non, surtout. Ah, oh, voilà. Non. C'est pas fini. Revenez par là. C'est dur, ça. Ah, mais c'est dur, là. C'est... Non, il n'y a rien de dur, vous inquiétez pas, regardez. Donc là, on va refaire la même chose. Là, le but de l'exercice, c'est quoi? C'est qu'il apprenne à gérer sa frustration. Ouais. Ça veut dire que si... Est-ce que vous pouvez aussi gérer la souffrance de la détresse? Est-ce que vous avez des petites friandises pour la soulager? Ou je sais pas, des trucs comme ça? Non, regarde. Regardez, il va très bien. Bah, à ta place. Il a compris que... Bon, il est intelligent, non? Ouais. Il faut croire. Hein. Merci beaucoup, avec plaisir. Paridou. Et t'es libre. Et voilà, bah écoutez, on continuera à vous suivre auprès des téléspectateurs chez lesquels vous vous rendez pour régler ce genre de petits problèmes. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. Si à la maison vous avez besoin d'aide et de l'aide de Taridou en particulier, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de venir vous aider. Nathalie, j'imagine que comme tout le monde, vous adorez aller regarder les vidéos sur les réseaux sociaux. Ah, mais j'adore, surtout les vidéos. Vidéo comique avec les animaux, c'est génial, ou les histoires d'amour. Alors chaque semaine, nos chroniqueurs vont nous présenter un petit peu leurs coups de cœur, les vidéos, photos qui valent le détour ou qui les ont marquées. On commence avec vous, Amy. Vous avez choisi quoi? Moi, j'ai choisi un truc extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez le mukbang. C'est un challenge sur Internet où les gens se filment en train de manger, tout simplement. Donc je vous propose en tout cas une version avec Chunk, qui est non seulement kleptomane, mais aime également narguer l'agriculteur qu'il vole. Il vole tous les trucs dans le champ et il se met devant la caméra de surveillance pour le manger. Il le nargue, c'est extraordinaire. C'est génial.
Et je trouve ça si drôle, si mignon. Elle est très drôle, cette marmotte. Il se met devant la caméra. Oui, il pose. Je pense qu'il y a des petits cadeaux qui lui sont déposés devant et puis qu'il mange tout de suite. Vous pensez que c'est une vidéo un peu travaillée. Camille, quelle est votre trouvaille? Alors moi, ma trouvaille, c'est pas une vidéo, c'est une photo. Ça vient d'un concours de photos d'animaux. Il fallait désigner la photo la plus drôle, la plus rigolote. Mmh. Ça se passe donc en Angleterre. L'édition 2023 a été remportée, attention, par Michel Zogzogi. Il a gagné grâce à une photo plutôt drôle. Deux petits chatons. Max, Max et Alex, voilà. Ouais. Il y en a un qui a deux doigts de surprendre son ami par derrière, et donc voilà. Ouais, c'est sympa, c'est vrai. Alors moi aussi, hein, j'aimerais bien vous proposer une petite vidéo. Regardez celle que j'ai choisie. Il s'agit de Nino, c'est un bull terrier, et de Riette, une oie, qui sont les meilleurs copains du monde. Regardez, c'est trop mignon. Oh non. Oh là là. Oh, c'est trop chou. Avec la musique. Ah, pareil. Des mots. Alors, est-ce que vous considérez qu'ils s'aiment? Ah, ils s'adorent, là, ça se voit. Hein. Et il peut y avoir des amitiés assez insolites comme ça entre les animaux. Ça, ça vous surprend ou pas, l'amitié entre ces... Non, ça ne me surprend pas. Alors, ce n'est pas possible avec tous les chiens. Moi, j'avais un chien, on lui mettait une noix à côté de lui, il la mangeait. Mais non, c'est complètement possible, surtout quand ils sont habitués très petits. Comme oui, on voit, l'oie est arrivée très jeune. Demander, ouais. Et souvent, quand il y en a un des deux qui est très petit, quand il arrive, il y a un petit instinct maternel qui se met en place et ça se passe beaucoup mieux. Si on a mis une noix adulte avec le chien adulte, ça se serait probablement moins bien passé. Alors, Pierre, vous n'avez pas proposé de vidéo, mais vous avez des réponses à nous fournir. C'est l'heure des questions de nos téléspectateurs. Première question, est-ce que je dois sourire est-ce que je dois souscrire à une assurance santé pour mon chien? Alors, il ne faut pas sourire à l'assurance santé. Moi, je la recommande vraiment. En France, on a à peu près seulement 10% d'animaux qui sont assurés. C'est beaucoup moins que dans les autres pays. Moi, je les recommande parce qu'un pépin, ça peut vite monter à 2000, 3000 euros actuellement. Voilà l'opération que vous avez vécue et tout ça. En général, c'est entre 10 et 50, 80 euros en fonction de la taille de l'animal. Mmh. Parce que pour les gros chiens, notamment, on peut monter à 80. Ça dépend de l'âge. N'attendez pas qu'il soit vieux. Mmh. Parce que c'est forcément, quand on va assurer un chien qui a 10 ans, eh ben, ça va être beaucoup plus cher, voire ils ne le prendront pas en charge. Donc voilà, il faut vraiment se renseigner sur les contrats et comparer. Mais c'est un peu dommage de ne pas le faire. Alors, une question qu'on se pose tous en ce moment, puisque c'est la période des rhumes, où on perd sa voix, où on a le nez bouché. Est-ce que je peux transmettre mon rhume à mon chien et inversement? Alors, non, ça n'est pas possible. Le rhume, c'est très spécifique d'espèce, donc on ne transmet pas. C'est comme la gastro, ça ne se transmet pas de l'homme à l'animal. Il y a quelques maladies qui peuvent se transmettre. Ça se transmet surtout en général aux personnes qui sont un peu affaiblies, qui ont d'autres maladies, les femmes enceintes où il faut faire attention. Et ces maladies s'appellent des zoonoses. Moi, par exemple, j'en ai eu une. Mon chat m'a transmis une maladie parasitaire. Voilà, je vous épargne les détails sur les symptômes. Je ne vous en parlerai pas. C'est pas très glamour. Voilà, mais ça peut se transmettre, c'est souvent des maladies parasitaires, des maladies de peau, éventuellement la teigne se transmet très bien, le fait de perdre les poils, ça se transmet de l'homme à l'animal, donc ça il faut y faire attention, mais voilà, tous les animaux ne sont pas porteurs de ces maladies-là, loin de là, donc pouvez-vous rassurer, ça reste très rare. Alors, est-ce que les chevreuils peuvent mettre leur gestation sur pause? Alors, c'est une question qu'on nous a posée. C'est un fait qui est très très exceptionnel, dans certaines espèces animales, notamment les chevreuils, il peut y avoir une pause dans la gestation, c'est-à-dire qu'il y a une période de rut qui est au mois de juillet, et le développement de l'embryon, alors que la femelle est fécondée, va commencer seulement au mois de novembre à décembre. Et justement, on a une deuxième période de rut à ce moment-là, et les femelles vont accoucher au même moment au printemps, par la suite. Donc en fait, c'est une pause qui est là, qui permet justement que les petits fans naissent dans des bonnes conditions et naissent au printemps. Et donc cette pause peut durer jusqu'à 5 mois. Voilà. Alors, ce n'est pas la femelle qui le décide. Ouais. Mais en recherche, ça a des potentiels énormes, notamment pour la conservation des embryons, parce qu'on peut s'en inspirer pour aider l'homme grâce à ça. Et ça ne marche que pour les chevreuils? Ah non, il y a plein d'autres espèces. Alors, je ne sais pas, vous voulez un autre enfant? Non, moi, je ne suis plus concernée par ce genre de choses. Mais je pensais à Amy, par exemple. Non, ça, c'est pratique, hein, tu peux choisir le mois de naissance de ton bébé. Malheureusement, pour d'autres ça marche pour d'autres espèces animales, pour pas moi. Pour les humains. Non, ça, on ne décide pas, ça. C'est quelque chose qui est inscrit dans l'espèce et ça peut marcher pour certaines autres espèces. C'est assez rare. Hein.
pas très fréquent. C'est incroyable. Super. N'hésitez pas donc à écrire à notre émission si vous avez des questions à poser à Pierre. Il est ici avec nous pour y répondre. On a de la chance quand même. Nathalie, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venue nous voir. Je vous invite à partager ce récit, à le lire en tout cas. Un signe de toi, son âme guide mes pas, publié aux éditions Très Daniel. Je pense que c'est un livre qui fera beaucoup de bien à ceux qui viennent de perdre un être cher et qui sont en deuil. Et c'est un message d'espoir que vous nous livrez là. Oui, j'en suis convaincue, parce que c'est vrai qu'un deuil, c'est très compliqué à vivre. Voilà. Merci en tout cas, Nathalie. Et merci beaucoup. Et quelle belle émission. Ça fait du bien de voir des émissions comme ça, parce que depuis 30 millions d'amis, on n'en a pas. Et ça, c'est génial. Et on en veut encore plein. Merci, vous revenez quand vous voulez. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires passionnantes sur l'univers des animaux. Bonne fin d'après-midi sur France 3. Merci à vous. Merci les amis. Merci.